Salut tout le monde, c'est PurpleZombot. Aujourd'hui, on se retrouve sur la première vidéo PC. Youhou, j'ai enfin trouvé un logiciel. Non, je rigole. J'ai trouvé un logiciel gratuit. J'ai pas vraiment fait d'énormes recherches, ça a été galère. J'ai trouvé un logiciel de capture vidéo qui marche bien. Movavi, je crois que c'est. Malheureusement, c'est payant et j'utilise de les 7-7 jours le temps de trouver un vrai. Bref. Bonjour, on se retrouve sur Boofy's Bunker. Connaissez pas? Tant pis pour vous. Alors désolé si le son est un peu fort. Moi je vais le baisser un petit peu. Musique est géniale. On va commencer par l'artiste mémoire. Parfait. Je me rappelle comment on marche. Ok, avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Ça, je crois que les instructions. Voilà. Mouse look around, F flashlight. Q Lean. Oh ouais, ça c'est pour se pencher. Shift c'est pour sprint. Control c'est pour crouch. Space c'est pour regarder derrière moi. Left mouse button interagir, prendre, utiliser. Right drop item. Ok. Je vais commencer par lâcher le papier. Ok, je marche. Ok. Alors j'ai déjà joué à ce jeu il y a quelques temps. Avec mon con, vous voyez ce petit connard là? Il s'appelle le Bit Data Droid. Bon, attendez 10 secondes. Chat? Non, c'est pas chat. C'est où les paramètres, putain? Ah, tiens, AltGR aussi, ça permet de se. Putain. Waouh! Putain, c'est où les paramètres? Ok, je pense que c'est une game qu'on peut faire les paramètres. Je crois. Il n'y avait pas un truc par rapport aux paramètres, je crois. Non. Peut-être que c'est là-dessus. Tatatatata, texture, effet quality, view, post-processing, anti-aliasing, shadow, texture. Ça, c'est les graphismes. On s'en fout, bref. Ça fait déjà 2 minutes, 3 minutes qu'on est dans la vidéo et j'ai encore rien dit, bref. Bref, ce connard là, ce qu'il fait, c'est qu'il efface sa sauvegarde. Je savais pas, j'ai effacé ma sauvegarde. Bon, ça va qu'elle était pas bon. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez me voir continuer ce jeu. Personnellement, moi je l'adore. La musique est un peu forte. Ah oui, j'aimerais bien pouvoir. Je peux vraiment pas. Putain, ça fait chier un petit peu. On va pas aller dans le monde impossible. Hein. On va commencer du coup par ça. Ok, on est dans le bunker. Premièrement, on va découvrir le premier secret. Voilà. Les mini-jeux sont évoqués. C'est quoi, j'ai la clé qu'il me faut? Verte. Je sais où elle est la verte, mais d'abord, on va un peu chercher les secrets. Je me rappelle qu'il y a un secret quelque part dans les tuyaux. Beaucoup de secrets qui se trouvent dans les murs du jeu. Ah. Ah là. Deuxième mode de jeu débloqué. Nice. J'en profite. Que j'ai pas mis la première clé, Boofy ne spawn pas. Du coup, tant que j'ai pas mis de clé, je suis safe. Voilà, la flèche ça s'en va mieux. C'est quoi cet endroit? Ah yes, le sous-sol, je voulais y aller. Je me souviens bien, juste ici, il y a... Ah, c'est prise. Je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs je peux sprint. Alors aussi la vente, justement pour remonter à ce sera. Il me semble qu'il y a un secret vers les toilettes, je crois. Faut juste que je me rappelle où sont les toilettes. Je crois qu'il n'y a pas d'autres secrets dans cet environnement-là, de toute façon. Alors, c'est quoi ça mène où cet endroit? Ah, les toilettes. Il me semble que c'est là, non? Non. De l'autre côté, peut-être? J'aurais juré qu'il y avait quelque chose qui était beaucoup plus mort. Je me rappelle tout le temps qu'il y avait quelque chose dans les toilettes. Ah! Padres no whistle. Seconde. C'est pas le secret que j'ai réussi à avoir la dernière fois. La dernière fois j'avais eu le chat. Ça change. Oh! Ah bah le voilà. Bah j'ai découvert Padres no whistle, qui est un des créateurs du jeu. Ouais, bref, cet épisode c'est la chasse au secret. Je vais tendre l'oreille pour les bruits. C'est quoi ça?
C'est un passage secret pour aller au sous-sol. On n'a pas envie d'y aller, nous, parce qu'il nous occupe de au sous-sol. La première vidéo, vous savez quoi, maman, non ? On fera la chasse au secret une prochaine fois. Parce que je sens que en première vidéo, t'as une chasse au secret, dès la première vidéo sur un jeu, un peu. Bah, du coup, les gens, ils voient pas vraiment du tout le jeu, et ouais, c'est un peu. Excuse-moi, faut que je me gratte la tête. Première clé. Youpi. Ah oui, c'est vrai, je peux pas courir si j'ai pas la clé, si j'ai une clé dans la pom 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 pom. T'as entendu ce cri? C'est Buffy. La rouge. Elle est dans les toilettes, la rouge. Ici. Y'a vu quelqu'un? Attention aux oreilles, je préviens. Peut-être revenu un peu trop tard. Notamment, on aura des squeaks. Des poètes, des sortes de poètes aiguës quand Buffy apparaîtra. Enfin, quand Buffy sera prêt. Et là, si je me trompe pas, il reste que la bleue. Elle était où la bleue déjà? Ah oui, vers l'arcade. Oh, Buffy. Ah non. Oh merde. Ok, la clé bleue a respawné ici. Ok. Ok, là, il y a la blanche. Dans mes souvenirs, il y en avait que 3, mais apparemment, il y en a 4. Enfin, la clé blanche, je sais qu'elle peut spawner vers le sous-sol. Ici, normalement, mais elle n'est pas là. La clé rouge, j'ai de la chance parce qu'elle peut spawner dans le... Comment ça s'appelle? Dans la librairie. Vous avez entendu ce squeak? Oh putain, j'ai même pas fait exprès. Non, Dave! C'est un des créateurs... C'est pas un... Je crois pas que ce soit un des créateurs de jeux, mais... C'est quelqu'un qui fait des jeux comme Jay. Putain, j'ai même pas fait exprès de trouver un secret. Le mur, il m'a l'air bizarre, non? Non. Ok, Buffy est tout là-bas. C'est génial, on aime ça. La clé blanche, elle peut être où, putain? Je vais checker un peu aux alentours. Tellement de bruit partout. Putain, je sens qu'elle... Putain, elle est pas dans le sous-sol par hasard, je sais pas. Elle peut spawner au sous-sol, je sais. Je sais qu'elle peut spawner au sous-sol. On entend le bruit des backrooms. Essayez d'écouter, voir si vous n'entendez pas des bruits un peu suspects. Il y a des bruits qui sortent de l'ordinaire de l'ambiance du jeu. Ça m'aidera à trouver des secrets, genre me dites-moi au moment de la vidéo. Évitez genre de me dire, dites-moi genre si vous entendez des sons bizarres, dites-moi pas directement, regardez une vidéo pour me dire où sont les secrets. Ça n'a aucun sens. Deux. Je suis rentré. Oh, nice. Il y a trop de caisses. Et ça m'amène à un cul-de-sac. Nice. Bien sûr. Ok, un deuxième coup de sac. Bon, ça c'est plus une cachette qu'autre chose. Et où cette petite clé blanche? Ah, là c'était le truc qu'on avait vu tout à l'heure dans la librairie. Pardon. Ouais, je rentre en pleine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Me distinguer la vidéo parce que j'ai roté. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Ah, ces ventes-là, je peux pas rentrer dedans, hein. C'est que Buffy qui peut les utiliser. Bah, je vais un petit peu. Ok. D'après mes détectives de... D'après mes skills de détective... Okay. Buffy. Buffy. Ça. Oh, Buffy. C'est un peu chiant, c'est qu'il y a que les escaliers pour remonter. Buffy.
Ah, beaucoup ne voient pas. Ah, salut, Goofy. Il est remonté. Il est parti dans la librairie. C'est là où je suis allé, putain. On va aller par là. Putain, j'y crois pas, mais la dernière fois, en l'espace de 10 minutes, j'avais eu le temps de tryharder et quasiment et finir 3 trucs en l'espace de 100 minutes. Là, en 10 minutes, j'arrive pas à trouver une clé blanche. J'ai le bouffé en visio. Ça, pourquoi c'est devenu bien plus stressant qu'avant? Et où la sortie? Vous sonnez où c'est la sortie? C'est pas là. Je suis perdu. Donc, je vais juste partir. Là, c'est par là. C'est pas par là. C'est pas par là. Je suis perdu. Ah, là. Ne retourne pas, Goofy. Au buffet. Allez. Allez, putain. Yes, 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 yes. Yes. Bouclier Stretch Maze est maintenant débloqué. Nice. Un trophée a été unlocké. I try to think of reasons I ended up there. Blah, blah, blah. The previous bunker. And I can never think of anything logical. The closest explanation I have. Ouais. Et regardez-moi tous ces beaux trophées. Ah, je te déteste. Scrambled eggs. Je crois que ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire. I got my dinosaur with two cookies. Je crois que c'est des. En tout cas, Padre Snow Weasel, je sais qu'il me semble qu'il a travaillé sur ce jeu.
Dave, c'est un gars qui fait des jeux exactement comme Micro Horror Arcade. Ou Jay Skibin, un youtubeur d'ailleurs. Lui, je crois que c'est un des gens qui a testé le jeu. Ça, c'est vrai que lui qui t'aide et qui t'a repéré et qui veut te niquer ta race. Donc, j'ai fini le mode simple. Vous voyez qu'ici, en allant dans les backrooms, j'ai débloqué cette porte. En cliquant sur l'arcade, j'ai débloqué cette porte. Et en cliquant sur la cuisine, j'ai débloqué cette porte. Et en finissant le bunker, j'ai débloqué cette échelle. Là, il y a un ordi, mais il sert à rien, comme vous pouvez le voir. Ok, comment je fais pour quitter? Ah, close. Vous voyez pas, parce qu'il y a justement à cet endroit de l'écran qu'il y a mon le truc pour record. Là, il y a le How to Play Rock Radio. C'est ce qui te dit comment jouer au jeu. Lui, c'est un gars normalement qui te donne des indices sur Steam, mais je connais déjà le jeu parce que j'ai déjà vu des vidéos il y a très longtemps. Et vous savez quoi? Je ne crois qu'il y a aucune mail. Ça fait déjà 10-15 minutes que j'y suis. Là, je suis malade, j'ai une diarrhée sévère. Bref, je crois qu'il y a aucun. Il y a le meilleur moyen de finir cette vidéo, c'est pas en attendant le cri de Padre Snowizo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.